le rendez-vous. L'autre matin, sous la fraîche coudrette, le beau Colin, loin des regards jaloux, s'imaginait trouver encore Lisette, une heure au moins après le rendez-vous. « Il est trop tard, lui dis-je. Elle est partie. Ah, comme toi, si j'avais pu, Colin, donner parole à si charmante amie, je me serais éveillé plus matin. » Je la suivais, Dieu, comme elle est jolie, tout en rêvant d'un air sombre et distrait, elle a tourné ses pas vers la prairie. Ah, que j'aurais de honte et de regret. Le beau Colin poursuivre son ami, fuit la coudrette et s'éloigne à grands pas. Mais, las, envahit la presse, il supplie, les fuyait et ne l'écoutait pas. Un jeune enfant jouait sur la verdure, poursuit Lise, il l'appelle à son tour. Ah, disait-il, pour venger ton injure, punis l'amant, mais pardonne à l'amour. Lise s'étonne et retourne la tête. L'enfant malin voit son tendre embarras. D'abord timide, il s'approche, il s'arrête. Lise sourit. L'amour est dans ses bras. Colin s'y mettre profit l'aventure. Je l'ai revis seul au déclin du jour. La tendre Lise, en pardonnant l'injure, grondait l'amant et caressait l'amour. Si, d'une belle offense dans la tendresse, vous désirez l'apaiser au retour, de votre esprit n'empruntez pas l'adresse. Pour interprète, il faut choisir l'amour.